Cher Camille, il y a vos films et celui très fort de Simon. Vous entamez, vous revenez au théâtre pour une lecture seule en scène. Vous êtes en couverture des plus grands magazines pour symboliser les Françaises que le monde entier nous envie. Et puis, il y a votre voix. Vous l'avez prêtée, comme on dit. On va le voir. On va vous voir enregistrer pour Le Petit Vampire, l'adaptation de l'œuvre de Johan Sfar. La semaine qui s'ouvre en matière d'animation et de BD, c'est la semaine Jules et sa saga Silex and the City. Vendredi, le 10e album sort en librairie, intitulé « La clé ». Une clé qui vous dit sans doute quelque chose, si vous avez déjà installé un appartement, un studio, etc. etc. En fait, c'est le père et la fille .com, les héros qui ne peuvent pas se piffer, qui, après une escapade au 21e siècle, l'ont ramené d'un magasin de meubles donc bien connu. Ça met un bordel sans nom dans toute la préhistoire. Il y a l'album vendredi, il y a le film mercredi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais visiblement, ça doit être très très important. Il faut qu'on soit extrêmement discret avec ça. C'est un scandale! Une honte du génie pur! Camarade, grâce à cette clé, nous allons pouvoir nous attaquer au symbole du capitalisme préhistorique triomphant! Sur l'esplanade du rocher, des manifestants ont jeté des clés coudées sur les soldats. Au-delà de ses aventures à travers le temps, clé en main, Jules s'en donne à cœur joie pour créer une fois de plus de nouveaux mots. Il a expliqué sa méthode à Myrtille Serre. J'ai un genre de dictionnaire de lexique français silex. Et en fait, des transpositions. Et j'utilise en fait des jeux de mots. Et en fait, j'ai des listes comme ça, entières de mots, avec des sonorités. Anthropophage, bonobo, paléo, lasco, javelot. Dès que ça sonne, je me dis, ah, on pourrait faire un mot valise, inventer un truc. Et puis parfois, on sent que c'est assez gratuit et puis que ça fonctionne pas. Et puis à un autre moment, bah, ça dit quelque chose, en fait. Donc c'est absolument parfait. Alors on va dans le restaurant McDonald's. Les films sont tournés à Palais Hollywood. La ville 3x5, c'est Darwin's Alem. Myrtille lui a demandé quel nom il pourrait donner à C'est à vous, au temps des dot-com. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais écoutez sa réponse, vous allez comprendre pourquoi elle ne m'a pas fait rire. Bah, Silex à vous, directement. Et puis surtout, pour la rubrique, plutôt que l'œil de pierre, je dirais l'âge de pierre. Ça m'a pas fait marrer, c'est coquin. Dans les voix qui doublent le dessin animé, vous reconnaîtrez Stéphane Bern, Amélie Nothomb, Léa Salamé, qu'on a aperçu ou entendu en tout cas dans la bande-annonce, mais aussi un couple bien connu qui double les bactéries narratrices dans le film. Le prénom de ce couple, les prénoms de ce couple, Julie et François. Non. Nous, en tant qu'organisme monocellulaire, on n'était pas sur des revendications trop catégorielles. Enfin, tu te rappelles quand même qu'à un moment, tu avais pris ce slogan. Le changement, c'est maintenant. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'était juste un slogan politique, dans le cadre d'une campagne électorale. On savait tous que ça n'allait pas changer les grands principes de base. François Hollande, que Jules a facilement convaincu, il nous l'a dit brièvement tout à l'heure. Je remercie Jules de m'avoir confié un rôle pour lequel je ne m'étais jamais porté candidat. Mais savoir que Julie Gayet pouvait être mon partenaire dans cette scène, alors a fini de me convaincre, parce que là, j'étais sûr que ce n'était pas du cinéma. Wow. Le film, c'est donc mercredi. L'album, La Clé, c'est vendredi. Silex and the City, volume 10. Il y en a un pour chacun de vous, les amis. Merci. Merci, cher Pierre. Tout de suite.